Madame la préfète, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, ici, dans ce beau département, on se retrouve dans une situation assez intéressante, puisque deux grosses manifestations pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une, bien sûr, ici à Barcelonnette, pour l'inauguration de cette maison de santé. Et tout à l'heure, au SOZ, le lancement du plan montagne de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 200 millions d'euros, 100 pour les montagnes, 100 pour les vallées, dans le cadre où la démarche sur l'ensemble de nos montagnes, de notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui porte trois départements dont son nom commence par Alpes. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes. Et donc c'est un territoire très important à traiter. Ça représente 60% du territoire régional, zéro pic de pollution, et donc ça nécessite une attention toute particulière. Et aujourd'hui, c'est un peu la Vall du Bas et le SOZ qui sont le cœur de la région. Une fois que j'ai dit ça, avec l'habitude qui est la mienne de valoriser cette vallée, bien sûr, j'essaie surtout de valoriser la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'avoir un développement équitable au niveau territorial. Et Madame la Préfète, c'est un bonheur d'être à vos côtés, d'avoir le sous-préfet ici, d'en profiter pour dire à Madame, mon amie et collègue Sophie Vaginet, bon anniversaire. Oui. Donc c'est une belle fête. Oui. Je crois finalement beaucoup dans les rencontres entre les hommes et les femmes. Monsieur le sous-préfet de Barcelonnette, monsieur le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, monsieur le vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, madame la présidente, messieurs les maires de la vallée de l'Ubaye, mesdames et messieurs les élus communautaires et élus municipaux, monsieur Pierre-Martin Charpenel, monsieur le directeur régional de la Banque des Territoires, monsieur le directeur des hôpitaux ubayens, mesdames et messieurs les représentants des instances de santé, mesdames et messieurs les médecins, les architectes, les entrepreneurs et les journalistes, mesdames, messieurs, l'inauguration d'un équipement public est toujours un événement marquant dans la vie d'une collectivité. Quand le projet devient réalité, ce moment signifie à la fois la fin d'un cheminement consacré à la réflexion et à la réalisation, et le début de la vie de l'équipement par ses occupants. Le projet de maison de santé pluridisciplinaire de la vallée du Bail-Serponçon a été initié par la commune de Barcelonnette dès 2015 et soutenu à l'époque par Richard Mir, sous-préfet de Barcelonnette. Le 6 mars 2017 précisément, Madame Hélène Duménil de l'Observatoire régional de santé et Monsieur Benoît Segeron du comité régional d'éducation pour la santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont exposé en mairie de Barcelonnette, devant les professionnels de santé, l'état des lieux de la santé dans la vallée de l'Ubaye-Serponçon. Il a résulté de ce diagnostic que la vallée offre un cadre de vie de grande qualité, mais qu'il existe des contraintes objectives importantes pour l'accès aux soins de la population. En effet, nous sommes un vaste territoire de montagne d'environ 1 000 km², très peu urbanisé et très peu peuplé. Ce territoire est enclavé et difficile d'accès, éloigné des pôles urbains et des grands axes de circulation, avec de fortes contraintes, surtout en hiver, et une desserte en transport en commun limitée. Il connaît un pic de fréquentation l'été et l'hiver, qui a un impact important sur l'accès aux soins de la population et sur l'activité et les conditions d'exercice des professionnels. Le diagnostic a également permis d'exposer les problématiques de santé publique. La population est âgée, avec un vieillissement qui s'accentue et la prise en charge de certaines maladies associées, avec notamment la maladie d'Alzheimer, l'éloignement des services d'urgence et des plateaux techniques, l'accès difficile pour la population à une offre de soins s'agissant des professions de santé, plus particulièrement les dentistes, une baisse importante de l'offre en médecine générale dans les années à venir qu'il fallait anticiper avec le départ à la retraite de 50% des médecins généralistes dans les toutes prochaines années. Et enfin, des actions de prévention à mener. C'est donc à partir de ce diagnostic qu'une large concertation s'est mise en place sur le territoire. Le 10 janvier 2018, le Conseil communautaire a reconnu d'intérêt communautaire la création et la construction d'une maison de santé à l'échelle du territoire de la vallée du Bail-Serponçon. Ainsi, le projet a été lancé avec la commune de Barcelonnette qui a décidé, par délibération du 27 septembre 2018, de céder à titre gratuit le terrain et le bâtiment 40
située à l'ancienne entrée du quartier du 11e BCA où nous nous trouvons. Parallèlement, l'Agence régionale de santé a missionné le Comité régional d'éducation à la santé et l'Observatoire régional de santé pour épauler les professionnels de santé du territoire dans la construction de leur projet de santé piloté par les médecins Pierre Maillard et Guillaume Pagès. La maison de santé est ainsi le fruit d'une coopération étroite avec les partenaires publics et les professionnels de santé qui se sont engagés à l'occuper. Pendant 6 ans, de nombreuses réunions ont eu lieu. Elles ont permis dans un premier temps la création de l'association des professionnels, puis la rédaction et la présentation à l'ARS du projet de santé relatif à la prise en charge des patients et se sont finalisées par la création d'une CISA. La capacité d'accueil de la maison de santé est de 20 professionnels avec une possibilité d'extension. C'est le groupement Marie Garcin et Gilles Coron, architectes à Embrun, qui a été choisi après appel d'offres pour la réalisation de ce bâtiment. La surface de construction est d'environ 900 mètres carrés. Le projet a consisté à construire un bâtiment moderne et à réhabiliter le bâtiment de l'ancienne entrée du 11e BCA dans un programme exemplaire sur le plan architectural et environnemental. Cette structure de haute qualité environnementale, labellisée bâtiment durable méditerranéen, est exemplaire tant sur le plan architectural que sur le plan environnemental. Le bâtiment a été imaginé et conçu pour avoir une faible consommation d'énergie. Il a obtenu le label BDM, BPOS et Bois des Alpes. La maison de santé comprend un pôle de médecine générale et de dentiste, l'accueil d'urgence en lien direct avec une aire de service ambulance, la médecine du travail, des kinés, des infirmières, un pôle psychologie, un pôle orthophoniste, une diététicienne, une ostéopathe, une audioprothésiste et une salle de réunion. Nous offrons ainsi la possibilité aux professionnels de santé de s'installer dans de très bonnes conditions en bénéficiant d'un lieu commun aux normes d'accessibilité, facilitateur d'échange et de travail au bénéfice des patients du territoire. Pendant la phase d'élaboration du projet de construction, de nombreuses rencontres ont eu lieu pour que les professionnels de santé puissent faire état de leurs besoins spécifiques. Un comité de sélection a été mis en place afin d'examiner l'ensemble des demandes des professionnels de santé. L'objectif a été de sélectionner les professionnels en tension, comme les dentistes, les orthophonistes ou les psychologues, afin d'offrir un service nouveau, complet et de pointe à la hauteur du territoire de Lubaye et de mettre en place un cabinet de consultation dédié aux médecins spécialistes. Aujourd'hui, le taux d'occupation est de 80%, avec pour objectif d'atteindre 100% dès 2022. Je tiens à saluer l'embauche récente en qualité de coordonnatrice de Madame Irène Brasier de la Mutualité française par l'Association des professionnels de santé. La maison de santé a finalement pu ouvrir donc le 15 septembre dernier, malgré un contexte compliqué lié notamment à la crise sanitaire. Cet équipement constitue un effort financier conséquent pour pérenniser les services de santé sur notre territoire. Un soutien de l'État qui a accordé 750 000 euros de financement au titre de la DETR, de la DECIL et du FNADT. Un soutien de la région par l'octroi d'une subvention de 326 200 euros. Au total, ce sont plus de 1 million d'euros, 1 076 000 euros exactement de subvention, représentant un financement à hauteur de 55% sur un montant de 1 957 800 euros. La commune de Barcelonnette a pour sa part largement contribué à ce projet en cédant gracieusement les terrains et le bâtiment. L'autofinancement est supporté par la communauté de communes de 881 000 euros. Il sera financé par un emprunt sur 15 ans auprès de la Banque des Territoires à un taux préférentiel. Nous étions devant un enjeu de santé publique. Maintenir un service d'accès aux soins dans la vallée du Lubaye-Serponçon pour l'avenir, nous l'avons relevé ensemble. La place de la télémédecine dans l'organisation des soins est également à l'étude dans le cadre du projet transfrontalier Piterre-Termont-Viso auquel la communauté de communes est associée. Aujourd'hui, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bel équipement qui répond aux besoins de santé des habitants et anticipe le risque de désertification médicale et plus particulièrement. L'ensemble des partenaires et entreprises
qui ont œuvré à la réussite de cet équipement indispensable au bien vivre dans la vallée. Les élus de la vallée qui ont reconnu l'intérêt communautaire de ce projet et qui ont permis sa réalisation. L'ensemble du conseil municipal de Barcelonnette qui a décidé de céder le foncier et le bâtiment. Pierre-Martin Charpenel, maire de Barcelonnette lors de la précédente mandature, qui a initié ce projet valéen. Yvan Bouguillon, vice-président en finance de la communauté de communes en charge de l'urbanisme à Barcelonnette. Jean-Michel Tron, vice-président en charge de la communauté, en charge de l'économie à la communauté de communes de la vallée du Bail-Serponçon. Et enfin, les financeurs, sans qui ce projet n'aurait pas pu aboutir. Et en tout premier lieu, Madame la préfète des Alpes-de-Haute-Provence et Monsieur le sous-préfet de Barcelonnette pour le soutien déterminant de l'État. Monsieur le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mon cher Renaud, pour l'aide précieuse et indéfectible de la région. Monsieur Alexis Roux, directeur régional de la Banque des Territoires. Les professionnels de santé qui, par ce partenariat, animent un contrat local de santé au bénéfice de la population, avec une mention particulière pour Pierre Meillard. Et enfin, mes collaborateurs en charge de ce dossier à la communauté de communes, et plus particulièrement Étienne Badia, Audrey Dunant, Marc Plantier, Christine Hermelin et Dominique Olivier. Je tiens également à saluer la présence ici de Madame Eliane Bareil, présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence, avec laquelle nous travaillons à la modernisation des services publics dans le cadre du schéma départemental d'accessibilité aux services. Le conseil départemental, ma chère Eliane, est un partenaire essentiel et un soutien précieux dans nos nombreux projets structurants. J'ai enfin une pensée toute particulière pour Jean-Michel Payot, qui a été très impliqué dans ce projet et a supervisé le début des travaux de construction. Cette maison de santé aura un rayonnement intercommunal, profitable à l'ensemble du bassin de vie de la vallée du Bail-Serponçon. Elle est vouée à devenir un pôle d'excellence rurale, avec pour finalité de consolider l'existant et de développer un maillage territorial autour du soin à la personne. Cet établissement pluridisciplinaire appartient à présent à ceux qui le feront vivre, c'est-à-dire à la vingtaine de professionnels de santé qui l'occupent. Il leur revient désormais la noble mission de pérenniser les services de santé sur la commune et sur notre territoire. Je vous remercie. Barcelonnette, je trouve que je disais tout à l'heure que je vais finir par prendre un studio parce que je suis très souvent dans cette vallée. et bien sûr à Barcelonnette et à côté de Sophie Vaginet, ça va sans dire, aujourd'hui pour inaugurer cette maison de santé. Il y a quelques mois, voire deux petites années, j'étais présente pour la pose de la première pierre et je te représentais, mon cher Renaud. Donc aujourd'hui, du coup, la boucle est bouclée, je suis présente à un autre titre, mais je suis ravie d'être là. Ce projet est l'aboutissement d'une volonté collective initiée, bien sûr, par la municipalité en la personne de Pierre Charpenel et les professionnels de santé depuis 2016. Cela a été dit, un projet de près de 2 millions d'euros au total, porté par la communauté de communes Vallée de Lubail-Serponçon. Au-delà de l'activité qui existait déjà sur cette vallée, il est évident que la mise à disposition de locaux communs doit apporter une meilleure coordination entre les professionnels et une meilleure visibilité de l'accès aux soins pour la population. Cette inauguration est aujourd'hui le résultat d'un long travail qu'il convient bien sûr de souligner et de saluer aujourd'hui. Et je veux bien entendu, au nom du département, saluer et remercier tous les acteurs publics et privés qui ont accompagné et piloté ce projet dans sa conception, son financement et sa réalisation. Et j'ai juste un petit regret, c'est que les départements n'aient pas été plus présents dès le départ, mais les choses vont changer. Et je pense qu'à l'avenir, nous serons présents dans la constitution des maisons de santé. Je ne peux que me féliciter en tant que présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence de voir ce type de projet voir le jour sur notre territoire et j'espère qu'à l'avenir, je vous le disais à l'instant, nous serons présents lors de sa conception, dès le début, au travers des contrats de territoire. Le programme régional de santé 2018-2022 a pointé des difficultés de démographie médicale dans les départements alpins comme le nôtre. Notre département adhère à ces orientations stratégiques
et apporte dans le cadre de ses compétences des aides financières pour inciter notamment les internes en médecine générale à effectuer leur stage au sein de nos territoires, pour les encourager à s'installer par la suite. Et j'ai bien noté qu'il y avait une salle qui était réservée pour un interne. Le conseil départemental est également présent dans le domaine de la santé, notamment à travers le maillage territorial des centres, des 13 centres médico-sociaux répartis sur l'ensemble du département, et les services de la protection maternelle et infantile, en particulier pour renforcer l'accès à la vaccination par convention avec l'ARS. La prise en charge du handicap et de l'économie sont également au cœur de la politique sanitaire et sociale de notre collectivité. Et même si nous n'étions pas présents au financement de cette maison, ce sont quand même près de 100 millions d'euros qui sont investis par le département pour répondre aux besoins des populations en matière de santé et d'action sociale sur notre département. Nous sommes bien sûr confrontés aux problématiques de désertification médicale qui affectent l'ensemble des territoires ruraux, aux difficultés d'accès aux soins pour nos habitants et la situation préoccupante de nos hôpitaux qui doivent faire face encore plus aujourd'hui à la situation sanitaire actuelle qui nous préoccupe beaucoup, je le sais, Madame la Préfète, nous sommes très très inquiets. Le secteur médical est en souffrance. Tension dans l'accès aux soins, désertification médicale, difficultés de recrutement, des personnels médicaux épuisés qui quittent le secteur. La réalité de l'état de santé de notre secteur médical et hospitalier est alarmante. Et la crise actuelle est un puissant révélateur du malaise national qui couvre depuis trop longtemps. Les annonces du ministre Olivier Véran d'un plan d'investissement sur le secteur hospitalier en région sud sur 10 ans, dans le cadre du Ségur de la santé, doit très vite être mis en œuvre et passer du stade de l'annonce médiatique à sa réalisation concrète. Et j'ai accueilli mon cher Renaud, son cher président, avec beaucoup de joie les annonces que le ministre et toi avaient faites il y a quelques jours, puisque c'est près de 8,5 millions d'euros que l'État et la région vont investir dans la rénovation, la restructuration et l'aménagement de 3 hôpitaux de notre département, Manosque, Riez et Digne-les-Bains. C'est un effort plus que considérable, je tiens vraiment à le saluer. C'est colossal et historique. Je veux profiter, mon cher Renaud, de cette inauguration, et Madame la Préfète, bien entendu aussi, avec qui nous travaillons très très bien, pour vous remercier officiellement et très chaleureusement. De notre côté, le département porte un certain nombre d'actions et d'expérimentations, et je pense notamment, tu en as parlé Sophie, de la télémédecine, qui est un moyen de lutter contre la baisse de la densité médicale sur nos territoires ruraux. Encore faut-il que nos problèmes de fibres soient résolus. Ça, évidemment, ça va être une de nos préoccupations majeures. L'objectif est clair, être 100% présent sur le cœur de nos compétences et en parfaite cohérence et collaboration avec les différents acteurs de terrain, qu'il s'agisse des communes ou de la région, de l'État, pour ainsi offrir à nos habitants un service de santé et de soins de qualité et surtout de proximité. Je crois que c'est aujourd'hui la démonstration qui en est faite. J'ai conscience d'avoir peut-être dressé un tableau un peu noir de la situation. Donc avant de conclure, je veux bien sûr souhaiter pleine réussite à cette maison de santé. Remercier une fois de plus toutes celles et ceux qui y sont investis et vous adresser, puisque l'occasion m'en est donnée, à tous mes voeux les meilleurs pour cette fin d'année, à tous les habitants de la vallée. Président du Conseil régional, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame la Présidente de la communauté de communes et maire de Barcelonnette, je salue évidemment Monsieur Martin Chartonnel, ancien maire de Barcelonnette, le docteur Maillard, je salue tous les élus qui sont présents, le sous-préfet de Barcelonnette, Denis Revel, secrétaire général qui est juste dans son ombre, malgré la lumière de cette pièce. Je salue les chefs d'entreprise qui ont participé à ce projet. Tous les élus, il y a des maires qui viennent de loin aujourd'hui pour venir jusque dans l'Ubaye. Je salue la presse et je salue évidemment, j'allais dire presque l'essentiel, ce qui n'enlève rien au mérite des autres que j'ai cités précédemment, les professionnels de santé qui vont en effet faire fonctionner au quotidien cet équipement à cette maison de santé. Je voudrais commencer mon propos par vous dire, Monsieur le Ministre,
le grand honneur, le grand plaisir, le grand bonheur, vous avez dit, d'être avec vous aujourd'hui dans ce département. On le disait tout à l'heure en se saluant, vous êtes évidemment plus que quiconque chez vous ici. Et ça, c'est un plaisir, il y a des occasions rares d'être ensemble, préfète des Alpes-de-Haute-Provence, président de la région. Et donc c'est vraiment un moment important pour nous aujourd'hui, j'y suis vraiment très sensible, merci beaucoup. Et puis vous l'avez dit, c'est la conjonction des actions des uns et des autres, dans un état certes décentralisé, mais qui conjugue et qui partage les compétences, qui fait qu'on arrive aujourd'hui à se retrouver ici. Vraiment merci, sachez-le. Évidemment, président du conseil départemental, on a passé quasiment notre semaine ensemble, donc on ne se quitte plus. Alors moi, je dors du coup dans l'Ubaye maintenant. Alors je vous invite à partager le cas échéant un soir, l'endroit où nous logeons en famille. Et puis évidemment, madame la présidente, vous le savez, c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Moi, j'ai passé aussi une partie de mon enfance par Pointillé dans cette vallée, dans les cimes et dans la vallée. Vous savez, j'ai un attachement tout particulier. Alors, je voudrais vous dire j'ai quelques impressions et quelques éléments à partager avec vous au moment de cette inauguration qui est importante. D'abord, vous l'avez mentionné, monsieur le ministre, dans votre intervention, détermination. Vous l'avez rappelé, projet lancé en 2015. Nous sommes en 2021, à l'aube de 2022. C'est dire la détermination dont il a fallu faire preuve, comme dans beaucoup de projets portés par les élus, pour aujourd'hui pouvoir le concrétiser. Et tout ce temps, c'est beaucoup d'énergie. Évidemment, c'est ce qui nous motive. Quand on choisit d'être préfet ou sous-préfet, quand on espère être préfet ou sous-préfet, avec Denis Revel, c'est pour voir ces énergies-là. C'est pour voir ces énergies de territoire, c'est ces médecins, ces professionnels de santé, ces secrétaires administratives, ces élus qui arrivent ensemble avec des partenaires dans des territoires, des collectivités, à conjuguer justement leurs talents pour qu'on soit là. Donc, détermination. Ensuite, le deuxième terme, c'est l'exemplarité. Ce projet, il est exemplaire et il est au moins à trois titres. Il y a le contenu, il y a le contenant et il y a la cohérence. Alors sur le contenu, je commence par là. 17 à 20 professionnels, 5 médecins généraux, 3 infirmières, une diététicienne que j'ai aperçue tout à l'heure et toute la panoplie de la boîte à outils de santé publique qu'il faut qu'on arrive à mettre au service de nos patients. Donc c'est une maison de santé qui fait rêver. Et je pense qu'on peut en effet faire des jaloux et que ça va inspirer des élus dans cette pièce qui soit font des extensions de maison de santé, madame le maire de Jolonne, soit nourrissent un projet de maison de santé, monsieur le maire d'Aiglun. En tout cas, c'est vraiment la maison de santé dont nous rêvons. Ça, c'est pour le contenu et c'est l'essentiel. Sur le contenant, il y a deux choses. Vous avez rappelé, madame la présidente, tous les labels que vous avez obtenus. Et puis, il y a le bois, évidemment, madame la présidente de l'Association des communes forestières, du bois des Alpes, évidemment, du bois des Alpes. Et sur ce sujet, je fais une petite sortie, mais qui n'est pas innocente. Nous avons tous envie de développer davantage la filière bois dans cette vallée, pour que ce soit notre ressource départementale, notre territoire, il est couvert à plus de 60% par du bois, avec des qualités de construction. Donc que ce soit notre bois qui soit totalement traité, et pour derrière être injecté dans nos réalisations très concrètes. Donc on verra où, on verra comment, mais on arrivera dans cette vallée, madame la présidente, à développer la filière bois. Et puis l'autre élément de contenant qui me semble assez exemplaire, nous étions ici sur une friche militaire. Une friche militaire. L'État avait quitté ses bâtiments, avait discuté avec les collectivités, et ici on a donc un projet qui part d'un projet militaire à un projet de santé publique. On reste sur du régalien. Mais quelle capacité vous avez eu à rebondir dans ce contexte-là? Évidemment, les annonces de départ des unités militaires, c'est toujours un affaissement dans une vallée comme celle-ci. Donc vous avez su positiver en réhabilitant, et évidemment dans un contexte où, vous le savez bien, monsieur le Président, la loi climat-résilience votée au mois d'août par le Parlement nous amène à devoir éviter le mitage supplémentaire, à limiter l'artificialisation des sols avec ce fameux ZAN, qui évidemment nous fait tous beaucoup réfléchir et réagir, vous en particulier, monsieur le Président, avec le SRADET, nous avec nos documents de planification. Et bien finalement, ce projet nous donne de l'espoir aussi sur notre capacité, avec un bâtiment, ça a été rappelé, qui ne ressemblait pas du tout à celui-ci, avant les poses de première pierre ou autre, on a quelque chose de fantastique. En plus, maintenant, on a des outils, l'outil de friche, qui a été bien utilisé dans le département, qui est un outil plan de relance, et que le Premier ministre a décidé de pérenniser. Dernier élément, c'est la cohérence. Nous sommes ici à Barcelonnette, dans une petite ville de demain. Certes, évidemment, c'est un projet intercommunal qui va irriguer toute la vallée. C'est une petite ville de demain. Et donc cet équipement, il n'est pas anodin. Dans la capacité à Barcelonnette à relier son centre-ville avec ce quartier Craplet, qui a déjà beaucoup, beaucoup d'institutions, c'est évidemment une pierre très importante dans ce projet. Donc c'est de la cohérence.
détermination, exemplarité. Évidemment, j'en termine avec quelques éléments sur le fond, l'objet même de cette maison de santé. Cette maison de santé, c'est la 11e dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. La 11e. C'est l'exemple type d'une politique publique qui marche bien. Vous avez en effet qualifié la situation d'abandon. On a de la désertification médicale, on le sait tous. Et donc c'est un outil qui a été souhaité il y a une douzaine d'années pour qu'avec ces maisons de santé pluriprofessionnelles, à partir d'un projet de santé, c'est pas que des murs, il y a vraiment ce contenant, ce projet de service et de santé qui permet la labellisation par l'Agence régionale de santé de cette maison de santé, qui permet d'ailleurs les financements associés en fonctionnement comme un investissement. C'est bien un projet qui a été partagé dans ce contexte, dans ce contexte-là. Et donc ces maisons de santé, nous en avions 4 dans le département en 2017. 2017, hein, pas 2007. 2017. On se retrouve fin 2021 avec 11 maisons de santé. Et je le disais, des extensions, de nouveaux projets, il y en a au moins 2 dans le département, Saint-Étienne-les-Orgues, à Aiglun. Donc ça montre que ça marche, et ça a marché assez vite. Qu'est-ce que ça a permis quand on fait une image départementale? Ça a permis, ces 11 maisons de santé, d'attirer 13 nouveaux médecins généralistes. Je ne parle que des médecins généralistes, mais évidemment, on sait que sur la démographie des médecins généralistes, il y a beaucoup de départs en retraite, et un sujet, de limiter la capacité à avoir uniquement des départs et à réduire cet effet un peu ciseau. Ça fait venir 13 médecins généralistes. Donc c'est une réussite. En revanche, il faut qu'on soit lucide. La situation, elle reste fragile. On en a globalement 13 qui sont arrivés grâce à ces maisons de santé. On en a 11 qui sont partis à la retraite. Et si je fais un petit zoom sur Lubail et sur Barcelonnette, il y en a 2 qui arrivent, il y en a 2 qui partent en retraite. Donc on est juste à l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche, ça n'est pas suffisant et qu'il faut continuer. Donc on va continuer, donc l'État va continuer à subventionner fortement, comme ici, les maisons de santé dans le département. Deuxièmement, on a le numerus clausus, vous en avez fait mention à juste titre, monsieur le ministre. C'est quand même un événement assez important qui a été décidé par le département, la suppression du numerus clausus. Simplement, il faut du temps. Il faut du temps pour former les médecins, évidemment, parce que c'est un métier à très très forte valeur ajoutée. Suppression du numerus clausus. Deuxième élément, c'est la réforme du zonage. Vous savez que l'Agence régionale de santé, que j'excuse hein, par ailleurs, parce que le directeur général m'a demandé de l'excuser, l'Agence régionale de santé est en train de revoir son zonage, et cette fois à l'échelle de la région. Alors vous savez, on a tout un tas d'acronymes, les ZIP, les ZAC, je vous épargne ça, mais ici on est dans une ZAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les collectivités locales, ça permet aussi de récupérer du FCTVA, donc d'investir plus facilement, et pour les professionnels de santé, cette capacité à garantir un revenu au moins au début. C'est ce qui fait aussi que ça marche. Donc ce zonage, il concerne aujourd'hui un peu moins de 4% de la population de notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Demain, dans la révision qui est en concertation, il n'y a pas de décision définitive, on devrait passer à près de 16. Donc on devrait quadrupler la population concernée par ce zonage. Donc ça, c'est une façon évidemment de soutenir l'installation des professionnels, de lutter contre la désertification médicale, et à la fin d'agréger le contenant et le contenu, comme je le disais juste avant. Et puis enfin, il y a le Ségur de la santé. Vous l'avez largement évoqué, monsieur le ministre, je vous en remercie. Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, qui en bénéficie? Le directeur général de l'ARS, Philippe de Mester, sera mercredi à Digne-les-Bains, fait une conférence de presse et il présentera le détail de ses opérations dans notre département, dont je ne vais pas déflorer le suspense, parce que ça lui appartient de vous le présenter. Je serai à ses côtés, évidemment, et aucun territoire n'est oublié dans ce Ségur. Ma conclusion, c'est évidemment la situation épidémique. Elle n'est pas bonne. Taux d'incidence de 823 dans notre beau département. Alors je le disais la semaine dernière en souriant à Christophe Mirmand, que vous connaissez bien, notre préfet de région, je lui ai volé la première place du podium et nous nous en serions bien passés puisque le taux régional est de 723 et le taux national de 500. Donc à ce rythme-là, on va finir dans notre irrésistible département à ne pas résister à doubler le taux d'incidence national. Nous en sommes là. 4 décès cette semaine du Covid dans le département. 7 sur une semaine glissante. Donc oui, des gens meurent du Covid. Non, ce n'est pas une maladie imaginaire. Certains d'entre nous sont bien placés pour savoir ce qu'il en est. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre hôpital étant à genoux, il faut soutenir nos soignants. Donc moi, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères aux élus, aux soignants, qui, dans notre département, ont armé depuis le 18 janvier dernier des centres de vaccination.
qui ont accepté de refaire des ouvertures de centres à l'ERR, mais à faire du sans rendez-vous, à faire du tardif. Je vais vous quitter dans quelques minutes pour aller me rendre retourner à Praloux, où nous vaccinons ce matin des saisonniers pour justement réussir à la fois à faire fonctionner notre économie de montagne, notre art de vivre, tout en essayant évidemment de protéger les uns les autres. Voilà, c'est le moment où tout fout le temps, mais ça va bien se passer. C'est ça, en fait. C'est top départ. Vous avez dit dans quelques minutes. Hein, dans quelques minutes. Ouais, j'aime pas anticiper. Mais il faut anticiper, vous avez raison. Anticipation. En tout cas, anticipons le fait qu'à un moment donné, on arrive à s'en sortir. Et vous l'avez rappelé, merci. Merci les uns les autres de le dire. Il n'y a que la vaccination qui permet de s'en sortir. Donc un grand merci à celles et ceux qui arment ces centres. Et merci à tous pour ce beau moment de rencontre partagée ce matin. Merci.